C'est sur ce site et derrière ces murs que la nouvelle chaîne d'assemblage devrait être installée. Pour l'instant, c'est l'A380 qui sort de ces bâtiments, mais le programme va s'arrêter. Le dernier avion sera fabriqué au mois de mai 2020. L'étude en cours chez Airbus envisage une reconversion de ce site pour l'A321neo. Une excellente nouvelle selon le syndicat CFE-CGC. C'est jamais très agréable d'annoncer la fin d'un programme qui était... qui avait 15 ans d'existence, dont effectivement, ça nous rassure quant à l'avenir de ce site-là et aussi au fait qu'on conserve, qu'on amène cette activité sur Toulouse et qui n'y était pas. L'A321 est pour l'instant produit à Hambourg, en Allemagne. Le site de Toulouse aurait pour objectif de faire face aux cadences et au succès de cet avion. Avec cette nouvelle chaîne d'assemblage, 400 emplois seraient créés ou maintenus. Officiellement, Airbus n'a encore rien confirmé. Mais le choix de Toulouse semble en bonne voie.